Bonsoir, aujourd'hui c'est mardi 8 octobre. Arabe Saoudite. État exclusivement musulman, l'Arabie Saoudite a progressivement fermé ses portes au tourisme en raison de la prolifération des actes terroristes dans la région. Le ministère des Affaires étrangères déconseille de se rendre en Arabie Saoudite pour le moment. Il n'y a qu'à espérer que les tensions s'apaisent et que l'Arabie Saoudite accepte de délivrer des visas de tourisme car le pays veut des tours. Au-delà du désert de Rubi al-Khali, qui occupe une grande partie du territoire, l'Arabie Saoudite offre de nombreux vestiges comme les sites Nabatan ou les sites religieux de la Mecque et la Médina. Terre des princes, du désert et du pétrole, des centaines de milliers de musulmans se rendant chaque année en Arabie Saoudite pour un pèlerinage vers la Mecque. L'Arabie Saoudite offre une multitude de trésors archéologiques, tombes de Mahadini Saleh et naturelles, plages et côtés qui bordent les mers rouges, désert de Rubi al-Khali à Syrie. S'il est possible de noter une avancée dans ce domaine, les visas restent compliqués à obtenir. Le tourisme non musulman se verra refuser l'entrée des villes saintes. Mais ne vous découragez surtout pas, car le pays est la découverte absolument. Carte d'identité. L'enjeu des côtes, le littoral de l'Arabie Saoudite s'étend sur 2640 km. Point commun, le point commun de l'Arabie Saoudite est la Jabal al-Hijaz, qui s'élevait à 3133 mètres d'altitude. Superficie de l'Arabie Saoudite s'étend sur 2 149 790 km. Nombre d'habitants, l'Arabie Saoudite compte environ 27 millions d'habitants. Les religions, l'islam sunnite est la religion d'État en Arabie Saoudite. Fête nationale, l'unification du Royaume, 23 septembre 1932. Langue officielle, arabe. Ville principale, Jeddah, La Mecque, Médina, Daman, Al-Taif, Al-Hufuf, Harad, Tabouk, Bouhayad. Capitale, Riyad. Ville principale, Jeddah, La Mecque, Médina. La frontière terrestre totale 4431 km. Jordan, Irak, Kuwait, Qatar, Oman, Yémen, Émirats Arabes Unis sont ses frontières. Donc, bonne densité de 9,5 habitants par kilomètre carré. Fête nationale, unification du royaume, 23 septembre 1932. Quand parti, les meilleures périodes pour visiter l'Arabie Saoudite s'étendent du novembre à mars, lorsque la chaleur est plus supportable. Que voir, que faire? À ne pas manquer lors de votre séjour en Arabie Saoudite. Visitez de la capitale Riyad, les forteresses de Mazmak, le musée de Riyad et le palais principal de Saad bin Saoud, le marché au dromadaire, les ruines de Dir Ayyam, la ville de Jeddah, un bord de la mer Rouge, visite de la vieille ville, le musée municipal, le souk de Al-Aloui, la ville de la Mecque, interdit aux non-musulmans. La ville de Médina, les mosquées du prophète, les régions montagneuses de la Syrie, les ruines du village de Abela, les parcs nationaux, la village de Abba, les sites de Najiran, le désert de Rubi al-Khali, pas de circonscription possible pour le moment. L'ancienne cité Nabatane
de Madani Saleh, le site de Juba et ses peintures rupestres, les sikhs. L'addition, Hisab. Médecin, Tabib. Merci, Shukran. Je ne comprends pas la afan. S'il vous plaît, Mik Fadlik. Au revoir, Mara Salam. Bonjour, Assalam alaikum. Oui, et non, Aïwa, non. Combien coûte Ken Hada? L'Arabie Saoudite est intéressante pour découvrir, de visiter, mais si tu n'es pas musulman, est un peu difficile de rentrer dans cette paix. Mais je vais quelques jours visiter cet intéressant paix. Pour moi, c'est très intéressant connaître le monde arabe, et principalement l'Arabie Saoudite. Non, là, d'où a commencé la vie des musulmans, non, l'islam. Et pour moi, c'est très intéressant connaître apprendre la langue arabe. Donc, comme Shukran, Assalamu alaikum, alaikum assalam. Pour moi, c'est intéressant connaître différentes langues qui est la langue française, arabe. Et j'espère quelques jours visiter l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez apprendre le français, apprendre le français, venez ici à classe pour le diamant. Nous pouvons faire les leçons de français à travers le Skype et que le monde. Partagez cette vidéo avec la famille, amis et tout le monde. S'abonner à ma chaîne sur YouTube est très important pour moi. S'abonner, s'il vous plaît. Un salut spécial comme toujours à mes amis en France, au Canada, en Burkina Faso, à Cameroun, à différents pays en Afrique, à différents liés où on parle français. Merci beaucoup à toutes les personnes, à tous les Français au monde, à toutes les personnes qui parlent français au monde et à toutes les personnes qui aiment cette romantique langue, qui est la langue française. Merci beaucoup et à demain pour une intéressante nouvelle. Merci beaucoup. Bonne nuit et au revoir. C'est une grande première pour l'Arabie Saoudite. Dans son plan Vision 2030, le pays va diversifier son économie, aujourd'hui dépendant uniquement du pétrole. Le Royaume a donc décidé de délivrer pour la première fois des visas touristiques à 49 nationalités. Jusqu'à présent, ces visas n'étaient accordés que pour des voyages d'affaires, des pèlerinages aux expatriés ou pour certains événements particuliers. Jusqu'à 2030, nous espérons atteindre 70 à 80 milliards de dollars de revenus dans des secteurs tels que le résidentiel, l'hébergement et le divertissement. Le développement du tourisme est l'un des points majeurs du programme initié par le prince héritier Mohamed Ben Salman. Ce dernier tente de changer l'image stricte et austère de son royaume. Le pays qui n'apparaît pas comme une destination très vendeuse va tenter de se libéraliser en assouplissant notamment le code vestimentaire pour les femmes étrangères, ne les forçant pas à porter la baya, la robe traditionnelle obligatoire en public pour les saoudiennes. Les visiteuses devront toutefois avoir une tenue jugée pudique. Le prince héritier a déjà commencé à insuffler plusieurs réformes libérales comme l'ouverture du cinéma et l'organisation d'événements culturels dans le pays.